démarrer enregistrement. C'est par terre. 1, 2, 1, 2. Attends, il va y avoir une faute de raccord. Pas grave. Hop, voilà. Là, c'est bon. C'est bien. Allez. Crac. Alors, on a décidé de se foutre sur la gueule. Écoute, c'est commerçant, hein, Moi, je trouve que c'est commerçant. Alors, on fait un truc très simple, parce que je vais gagner. C'est vraiment, c'est vraiment pour avoir un aperçu. Voilà, on fait un truc très simple. Un méchant contre un Yanti. Ça, c'est une question de point de vue. C'est une question de ressenti. C'est une vraie question de ressenti. Ouais, parce qu'en plus, il joue avec ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire, tu sais vraiment plus. Ah bah oui, c'est ça qui est rigolo. On fait une phase. On a décidé que j'allais... Allez, je joue en premier parce que j'aime bien me faire tirer dessus. Ouais, bah écoute, vas-y. Donc, on a placé les vaisseaux. On a mis... Je vais peut-être prendre ça pour montrer rapidement comment on a disposé la bête. Alors, ça, non. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Hop. Et tac. Donc, on a placé le sinon ici. On voit qu'il a le marqueur d'altitude. Exactement. Ça, c'est l'altitude 1. Ensuite, on va avoir ici, toi, tu es en altitude 1. On est à la même altitude. Et puis, on s'est quand même amusé à disposer deux, trois petites choses. On remarquera que celui-ci, il y a moyen de se le prendre dans la gueule direct. Les deux autres devraient nous passer au-dessus de la tête. Voilà. D'accord. Moi, j'ai décidé de jouer le si long parce que j'aime bien quand c'est long. attaque. 6, donc je devrais faire plus de 6 avec 2 dés pour que mon attaque égal ou plus. Voilà. Structure 15, c'est les dégâts que je suis capable d'encaisser. C'est puis accélération 4, donc ça c'est en fait ma latence au niveau de la synergie qui est ici, que je vais débuter à 3 parce que c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Voilà, en début de partie, on choisit son énergie kinétique. On peut la choisir et puis je pense que c'est beaucoup plus c'est plus net de faire comme ça. Ouais. Toi, au niveau de ta carte, tu as 6 aussi, 14 en structure. Je suis un petit peu plus faible. 3 en accélération. Ouais, tu encaisses moins parce que tu es vivant. Donc moi, je suis un robot. Bah, c'est donc, ça. Au niveau, et puis, il doit avoir des super matériaux vachement plus... Et puis, c'est pas... Enfin, voilà, c'est l'Empire, quoi. C'est ça. Ok, allez. Alors, l'air de rien. Donc là, on dit rien, on dit pas aux gens ce qu'on fait. Alors là, c'est secret. Je dis surtout pas à Erwan ce que je fais. Secret. En plus, on a bien séparé nos deux paquets de bluffs pour montrer qu'on était en train de s'en servir malgré tout. Exactement, on n'a pas mis les cartes de bluff, mais c'est pas grave. Non. C'est pour essayer. Non. Après, je pense qu'Erwan, il sait ce que je vais faire parce qu'on a fait un pseudo faux tour au début et puis voilà. Mais le but c'est de montrer un peu ce qu'on peut faire. Ouais. Après, tout n'est pas intégré au niveau des règles parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs. Allez, je vais essayer un truc comme ça. Paf. Tac, tac, tac. En fait, on essaye les vaisseaux quoi. C'est comme si on était le dimanche après-midi, on sort le vaisseau de hangar. C'est ça. C'est dimanche. Maman est en train de préparer. Il y a personne dans le secteur et puis on y va quoi. Alors moi j'ai choisi. Ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, je vais d'abord faire la carte qui est au-dessus, puis ensuite la carte qui est au-dessous. Alors, voilà. N'oublie pas de faire sur ton... Et je vais faire en même temps, donc là-dessus, la correspondance, qui est sensiblement celle-ci. tu regardes moi, pas. Moi, je suis prêt. C'est vrai? Moi, je suis prêt. Allez, tintin. Bon, paf, et puis paf. Donc comme on n'avait pas la carte de bluff, on sait qu'on va faire un boost. Voilà. Parce que comme on l'a mis de côté sur la table. Parce que comme on en a mis deux, et ben on sait que. Alors tu vas booster. Je vais booster. Un virage. Je vais faire ça. Tac, en fait. Bon, t'es un grand fou. Ouais. D'accord, j'ai compris ce qu'il veut faire. On y va. Non, c'est bien, il veut montrer des choses sympas. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. Et ça, ouais, je fais pas totalement le truc. Et du coup, ça va être génial. c'est toi qui bouge en premier. Ouais, il est trop content. Bon, alors, on place ça ici comme ça. Voilà. Je suis dans le cadre.
Et puis on place ça. Alors du coup je serai à vitesse 3. Donc comme là il y a un 3, ouais. Je suis obligé de prendre la ligne 3. Ouais. De toute façon quand tu fais un boost, tu es obligé d'être au maximum de ta vitesse. Ce qui est logique, hein, puisque tu mets les réacteurs à fond en fait. Et donc au niveau de mon déplacement, ça va donner un joli truc comme ça. Et comme je suis en boost, je ne peux pas réaligner mon vaisseau. Voilà. Ah, on est bien d'accord. Tu es obligé de suivre le mouvement. Ce qui aurait été sympa, c'est que j'essaie de drift. Ouais. Mais je peux pas le faire parce que je suis en mode boost. Voilà. Bah, du coup j'ai peur d'avoir fini mon tour déjà. Bah ouais. Tu peux toujours vérifier que la réglette, tu peux me tirer dessus. Juste pour la forme. Mais je pense. Est-ce que avec la réglette, je peux te tirer dessus? Donc voilà, donc on prend à partir du pied. Hein. Non. Ça c'est un réflexe à avoir. Voilà. Donc là, bon, c'est mort, hein, c'est évidemment. Bon. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, du coup, c'est super ce que toi t'as fait parce que. Donc moi aussi, j'ai fait un boost parce que faut bien essayer le matériel. Voilà. Donc moi, je vais faire un boost en courbe. Ouais. Et après, je vais faire ça. Ah ouais, tu tournes vraiment beaucoup là. Ouais, ouais, je me balade. Voilà. Donc évidemment 3. Hein. Mm-hmm. Je ne change pas d'altitude, je reste tout droit. Donc là, je prends mon chip et je fais ça. Tac, je reglisse mes cartes pour pas bouger la figurine. Et là, du coup, c'est là où il faut faire gaffe. Le petit réflexe à avoir, c'est pas remettre tout de suite ses cartes parce qu'il faut calculer l'énergie kinétique. Ah oui, exact. Voilà. Ouais, c'est le truc qu'il faut faire gaffe. Ouais, ouais. Donc 3 plus 3, hein, parce qu'il y a 3 et 3. Ouais. Donc là, je suis à 6. C'est-à-dire que la manœuvre. Voilà. Et moi, j'ai remise, mais j'étais à 3 plus 3 aussi. Ouais, t'es à 6 aussi, ouais. Donc je suis à 6. Et donc ça veut dire que la manœuvre précédente, on ne pourra pas faire moins de 2 ou plus de 10. Bon, alors j'explique, c'est qu'en fait, je vais prendre mon accélération qui est de 4. Et donc, comme j'ai 6, c'est soit le prochain mouvement, il va jusqu'à 10. Ouais, en 6, totalisant. 6 plus 4, 10. Voilà, sinon, eh ben, ça sera 2. C'est-à-dire que par exemple, 6 moins 4, 2. On va prendre cet effet-là. Et eh bien, vous voyez, sur cet effet-là, voilà, le mouvement de 1, je ne pourrais pas le faire. Tu vas trop vite. Voilà, je vais trop vite. Ok. Bon. Bon, bah, on va voir la suite. L'air de rien, il s'est rien passé, mais. Mais voilà. Mais on. Il va se passer des trucs, sûrement. Il va se passer, ça va se passer. Tiens, voilà. Je me rapproche un petit peu. N'y vois pas de. Hein, c'est que ton t-shirt me plaît beaucoup. Tu aimes bien mon Totoro Fukushima? C'est pas voilà. Alors en plus, je me rends compte que t'es vert sur fond vert. Ah oui, tu vas mourir. Ça va être sympa. Mais bon, ça y est, je viens de percuter, il est vert sur fond vert. Bon, c'est pas le même vert. Mais bon, ça va être chaud à. Ça va être chaud. Ouais. Adobe Premiere, bah, je vais avoir une tête de qui se balade comme que ça. Tout ça. Avec des bras. Mais Méliès, si tu nous entends. Mais bon, bah écoute, ouais, c'est vrai que là, j'ai fini. Alors, effectivement, le petit point négatif de tout ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps à regarder ces choses-là, quoi. Voilà, ça, c'est un petit peu, on farfouille, on s'écarte. Bon, évidemment, quand t'es expérimenté dans le jeu, après, tu connais les trucs par cœur. Mais c'est vrai qu'après, il faut trouver la carte, quand même. Donc, ça, c'est... Ouais, voilà, quoi. Contrairement aux petites réglettes de manœuvre de X-Wing, où, voilà, tu t'en as pas beaucoup... Mais on entend que je suis en train de bouger des trucs, en fait, dans le bidule. C'est ça. C'est le problème, c'est que si tu changes quelque chose de ta manœuvre, tu l'entends parce que tu as des trucs qui font clic, 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 clic. Après, tu peux bluffer, hein. Tu peux changer et puis remettre le truc où c'était. Hein. En fait, ça va être un jeu très psychologique. Ouais, c'est ça. Ça va être très bluff, très psychologique. En fait, c'est du poker, ce jeu, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire moi? Bon allez, on va s'amuser un petit peu, on va faire des trucs. Hein. Tac. Hop, on va remettre les petites choses. Je fais ça. Un truc comme ça. Et puis, en fait, je fais ça. Surtout. Mais il l'a fait aussi. Allez, vas-y. On monte. Allez. Crac. Et crac. Donc moi, je vais tourner à l'inverse, même réorienté dans le bon sens. Et puis, ben toi, comme tu as anticipé ça... Ah, ouais. Je fais des mouvements. Putain de virage de fou. Voilà. Okay. C'est pour montrer les manœuvres difficiles aussi. Allez, acte. Bon, alors moi. Alors, où est-ce que tu vas, toi? Alors moi, du coup, je vais faire un
un 3 comme ça. Tu vois. Donc j'ai le droit, hein, parce que ouais. On est d'accord, hein, ouais. Au niveau cinétique, j'ai le droit. Ouais, ouais. T'as la bonne kinétique. Je peux aller jusqu'à 10. Tu as le bon spectre. Donc kinétique. Du coup, là, mon 3, je dois le garder, mais j'étais. J'étais à 6. Bah, ça se transforme en 3. Ah, tout simplement. J'ai pas compris ça. Tu prends l'énergie kinétique qui est marquée sur la carte. Ah d'accord, ok. Seulement tu peux le faire parce que l'addition ou la soustraction avec ton accélération. Oui, c'est normal parce que je fais pas un virage boost, donc finalement je tourne moins vite. Et donc j'ai dit que je tournais. Ouais. Alors normalement tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que faudrait que tu ailles tout droit pour faire ça. Ah d'accord. Tu peux pas le faire en virage. Après tu peux le faire pour la partie. Si non, si j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Ah d'accord. Alors attention, réorientation uniquement en ligne droite. Orientation uniquement en ligne droite, par contre réorientation, c'est-à-dire remettre le réacteur dans l'axe de ton armement, de ton arc de tir, ça tu peux le faire avec un mouvement. Okay. Mais il faut ta carte de mouvement, il faut cette carte-là. C'est un petit peu difficile. Hein, comme, faut que je la retrouve. Voilà. Elle est là. Donc, est-ce que tu veux voir si tu peux me tirer dessus? Je pense pas. Ah, quoi bah, que, il me faut un arc de tir quand même. Oui, ton arc de tir est dans les fraises. J'ai un arc de tir qui est. T'es aux fraises. De si long, tu vois. C'était pour la forme. Ouais, on va dire c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Tac. J'ai gardé la même vitesse. Ouais. Par contre, je fais une espèce de virage de bâtard. Ah ouais, un vrai virage quoi. Hein. Et alors, c'est tellement un virage de bâtard. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Que c'est une manœuvre difficile. Tu vois, c'est marqué. D'accord. Voilà. Donc, je mets un petit token. Hop, ici. Ouais. Et donc. Qu'est-ce que ça va impliquer pour la suite? Eh ben, le tour prochain, je ne peux pas refaire de manœuvre. Difficile. Voilà. J'ai aussi changé d'altitude. Ah, j'ai failli le faire. Voilà, ce qui n'est pas très intelligent parce que, bon, c'est pour montrer. Hein. Parce que je passe de altitude 1 à altitude 2. Ouais. Ce qui est pas très logique puisque le planétoïde vers lequel droit je me dirige est altitude 2. Donc je cherche les problèmes en fait. C'est ça. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est pour montrer un petit peu les trucs. Non, mais moi j'aime quand tu joues comme ça. On prend des risques ou quoi. Hop. Donc voilà, donc on déplace ces petits tokens comme à X-Wing, hein. On a tout un bazar qui suit le chip. Ouais. Mais en fait, il faut pas qu'on dise comme à X-Wing. C'est vrai. C'est une mauvaise habitude. Ouais, non, il faut qu'on dise comme à Wing of Glory. Parce que Wing of Glory est bien antérieur à X-Wing. Ouais. Et puis c'est beaucoup plus proche au niveau. J'imagine que ça va mal se passer pour moi. Ah, il y a des choses. Alors, on n'est plus à la même altitude. Et voilà, ça, c'est ça qui est intéressant aussi. On est obligé de retourner la réglette comme on l'a tout à l'heure. Ouais. Dans la première vidéo, je crois. Et ici, là, ça prouve que tu ne pourras pas me toucher. Et voilà, on n'est plus à la même distance, puisqu'on n'est plus à la même altitude. Excuse-moi. Attends, je vais tenir le truc. Et donc là, ça veut dire que je ne peux pas te tirer dessus. Alors que si on avait été à la même altitude, j'aurais pu te tirer dessus. Donc, conclusion, je suis une chèvre. Parce que non seulement je ne peux plus tirer dessus, mais en plus, je me dirige droit vers le planétoïde qui va m'éclater la gueule, tu vois. Alors, si tu n'avais pas changé, tu m'aurais tiré dessus avec moins 1. Ouais. Là, le planétoïde, tu vas forcément dire je change d'altitude dans ta première. Mais tu changes d'altitude à la fin du mouvement ou au début? Pour moi, c'est au début de souvenir. Hein, parce que ça c'est... Genre, tu vas juste passer en dessous. Quoi. Ça, c'est ce que tu gères au début de ton mouvement. Si tu as dit que tu baissais d'altitude, c'est au début de ton mouvement. Voilà. Mais tu vas ne pouvoir... Alors, attends, parce que là, il faudrait que tu passes à moins 1. Là, il faudrait que je passe à moins 1, ouais. Et tu ne peux pas passer de plus 1 à moins 1, j'imagine. Tu es obligé de descendre d'un crochet. Ouais, tu peux descendre que d'un crochet. Donc, tu vas passer à 0. Voilà. Donc, ne pas changer d'altitude. C'est ça. Et Arzo, c'est le problème avec ce pilote de Viper, c'est qu'on a bien senti qu'il était suicidaire depuis quelques semaines. On l'a bien senti à bord du Galactica. T'as des soucis? Tu veux qu'on en parle? Je me suis fait larguer par ma maîtresse Cylon. La blonde, là. Ouais, on la connaît bien. Elle a l'habitude de ça. Tu te tuerais pour elle. Ouais, c'est ça. Alors, moi, du coup, je suis à 3. On l'a dit tout à l'heure, parce qu'on récupère celle de la... Enfin, la valeur du dernier mouvement. Oui, d'ailleurs, moi aussi, il faut que... Tu vois, ça c'est un truc qu'on peut oublier très rapidement, ça. De matcher son énergie kinétique à la fin de son mouvement. C'est vraiment un réflexe à prendre. Il y a des petits trucs à prendre dans le jeu. Est-ce que je peux... Je suis en train de te dire ce que je vais faire, mais tant pis. Hein, on est là pour apprendre. Exactement, t'es là pour perdre. On est là pour montrer.
Je fais tout pour, d'ailleurs. Non, mais je reçois, donc normalement, voilà. Est-ce que je peux changer d'attitude et faire pivoter le vaisseau? Écoute, je crois que oui. Allez. Hein, je crois que oui. Allez. Finalement, je commence à être confiant. Qu'est-ce que je fais? Je montre aux gens. Allez, on va montrer aux gens quand même. Ils sont là, ils regardent, on n'est pas ouais, ouais. Alors, moi, je fais... Ah oui, j'ai oublié de mettre la bonne vitesse. Excuse-moi, voilà. Alors, par exemple, là, j'ai oublié de mettre la bonne vitesse. Il y a des règles qui disent « Ah, t'as pas de cohérence entre ça et ça, t'es puni. » Ouais, t'as un chapitre sur les mouvements impossibles. En fait. Voilà, ouais. Ouais, ouais. Mais bon. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais continuer à aller tout droit. Mais que je vais faire pivoter mon vaisseau dans le sens et oui. du méchant. Donc en fait, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu as la caméra? Non, non, c'est non. Bon, là je suis bien. Et alors, ce que je ne sais pas, c'est de combien de crans j'ai le droit de tourner autant que je veux. Ouais. Ouais, donc je vais pas être mal. Tu peux faire des rotations. Pas être mal. C'est-à-dire que ça va faire donc, ça, voilà, ouais, je vais venir... Mon vaisseau va venir à vitesse 2 ici. Alors, moi, je conseille, hein, quand tu fais une rotation de vaisseau, avant de faire le mouvement et avant d'enlever la carte, c'est de faire la rotation d'abord. Bah, vas-y, je te laisse la faire. Parce que sinon, après, t'enlèves la carte, t'es obligé de reprendre le vaisseau, donc t'es là. Voilà. Non, j'étais à 2, je me voyais à 2, vitesse 2. Ah, pardon, oui. Voilà. La rotation est bonne, par contre. Pas trop d'accord. Dans bleu, voilà. Alors, hop. Voilà, et j'ai un changement d'altitude. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà. Tu passes à 2. Et je passe à altitude 2. Tac. Tu es un grand fou aussi, tu aimes te prendre les planétoïdes. Ben non, parce que celui-là, il est à 1. Ah d'accord, donc je pense pas à me celui-là. Le prendre. D'accord. Et je peux continuer dans cette direction-là. Au prochain tour. Ah bien sûr. Voilà. Exactement. Bon, là, moi, j'ai pas de malus pour te tirer dessus. Exactement. Et alors donc, ne pas oublier le petit réflexe. Donc, le petit réflexe. Tu passes en énergie kinétique 2. Kinétique 2. Voilà. Et donc. Et donc là. Réglette. Et là, on est à la même altitude. On est à la même altitude. Oh. Hop. Et donc, comme on est à la même altitude, alors est-ce qu'il gêne lui? Alors oui, parce oui. qu'il est, à la même, altitude que nous. Mm-hmm. Donc là, t'es en normal là. Tu là, vois, je suis le en début normal. Du socle ouais, et avant ouais, moins ouais, un. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, pour le malus de ça. Enfin, je regarde dans les règles. Je t'avoue là, je sais plus si c'est un moins un OD ou un moins deux OD. Regarder si tu veux. Hein. Allez, non, allez. Non. Tu sais, tu feras un truc en bas de l'écran. D'accord. Là. C'est bien ça. Hein. Lance ton dé normalement. Et donc là, tu vois, et alors tu me disais, ouais, c'est trop facile de toucher, regarde. C'est ta guide légendaire. Il faut que je fasse plus de 6 avec 2 dés. Ouais. Normalement, voilà. Hein. Normalement, c'est. Normalement, voilà quoi. Et tu vois ça y est. Ta journée s'est éclairée. Ah, ça va être le rayon de soleil de ma semaine. C'est ça. Donc, alors, sérieusement, je t'ai touché. Ouais. Tu vas aller piocher voilà. là-bas. Et tu ne vas pas forcément me montrer ce que tu pioches. Il ne faut surtout pas montrer que je pioche. C'est ça le truc. Ah, c'est ouais. que les dégâts sont cachés à l'adversaire. Tous les dégâts. Tous les dégâts. D'accord. Alors, moi, j'ai pioché ça. Donc, juste pour info, pour les. Alors, les attends, spectateurs, je vais pas regarder. D'accord, alors moi j'ai eu ça. J'ai pas le retour, hein, donc je pense qu'à peu près on le voit. Ah, tiens, vas-y. Donc voilà. Je me vois pas. Moi j'ai pioché ça. Ouais. Donc comme vous pouvez le remarquer, bon ça je peux te le dire, il n'y a pas de plus. S'il y avait eu un petit plus sur le jeton, dites-moi. J'aurais été obligé d'en piocher une deuxième. Ouais. Il n'y a pas non plus de petits sigles ou de petits symboles. D'accord. Donc, il a juste pioché des dégâts. Fallait exactement. Pas dire. Voilà. J'ai juste un dégât lambda, on va dire. Et donc, ça, on le cache. Ouais. Mais alors ça, et le dégât 6 dans ta gueule, ça te fait mal ou... Ce n'est pas un 6. Hein. Merde. T'as eu de la chance au dé, mais moi, j'ai eu de la chance à la pioche. Alors, juste une petite parenthèse, vite fait. Ça, je trouve ça aussi un petit peu difficile, parce que quand t'alignes 3 ou 4 dégâts cachés et que t'as des malus sur des dégâts, faut s'en rappeler, quoi, tu vois. Mais c'est un jeu d'excellence, je trouve. C'est moi, ça, en fait. C'est ça. Ça me fait vraiment penser à. C'est pas pour moi. Ah oui. Non, si, moi je trouve qu'on. Non, c'est génial. Hein. Non, mais moi, tu vois, il y a un moment donné, même à X-Wing, des fois, ça arrive dans des parties d'oublier. Ah merde, j'avais un dégât critique. Ça nous est tous arrivé. Et donc là, vu que tu les vois pas, tu les as pas sous le pif, c'est. Moi, je trouve quand même vachement sympa que tu me le laisses pendant 3 mois, quoi. Ah bah écoute, tu sais, moi, je suis pour. Soutenir les chaînes de jeu. Donc allez, vas-y.
Alors donc voilà. Là, du coup. Moi, je fais ça. Zéro. Voilà. Parce que tu ne peux pas baisser ton, ta hauteur de deux altitudes. Que ça, hein, on va, je vais montrer. Où. Donc, je reste à deux. Donc, tu vas rester à deux. Alors, bien sûr, tu essayes de descendre autant que faire se peut. Tu es passé de plus 1 à 0. Et puis, ben, tu vas... Ah ouais, tu fais un boost, mec. Je fais un boost tout droit. Mais tu vas te le prendre en pleine gueule, l'astéroïde. Eh ben, écoute, normalement, non, parce que la manœuvre ne passe pas sur le planétoïde. Alors, attends, on va enlever peut-être l'altitude. Vas-y. Pour être plus précis. Alors, qu'est-ce qui compte, alors, là ? Ce qui compte, c'est le trait. Hein. Ah, c'est alors, le trait. Ah oui, oui. Bah oui, c'est normal. C'est pas la largeur du vaisseau, la largeur du socle. Je crois que, il me semble que c'est si tu, ton vaisseau, enfin le socle de ton vaisseau atterrit sur le truc. Là, oui. D'accord. Par contre, tu peux passer, il me semble. Ouais, mais c'est le total de tes mouvements qui font, parce que là, t'as un premier mouvement où tu vas arrêter ton socle sur le vaisseau, mais non, c'est le total de tes mouvements. Qui font. Eh ben tu vois, ça fait partie des tout petits détails des règles que je n'ai pas encore totalement intégrés. D'accord, on regardera. Vous m'excuserez, je n'ai joué que depuis 3 semaines. Ouh, la baguette. Et donc, voilà. Donc, moi, pour moi, logiquement, je devrais prendre un truc. Ouais. Parce que je suis quand même, je passe dessus, quoi. Bah, tu vois. Ouais, je sais pas. Voilà. Je suis pas, on m'en fout. Allez. Bon, allez, on s'en fout. On mettra la magie du montage. Donc là, bon, bah voilà, je fais mon mouvement, j'ai un boost. Tout droit. Et donc là, je tourne. Eh oui. Enfin, je fais une rotation. Ah oui. Et une grosse rotation. Une grosse rotation. C'est-à-dire, genre, je vomis dans le cockpit. Voilà. Ah, c'est-à-dire que toi, t'as déjà anticipé le prochain tour. Voilà. J'ai trop anticipé le prochain tour. Enfin, quoique, ça dépend. Ça dépend où tu vas te mettre après. Mais dans mon idée, c'était pouvoir te shooter, mais pas là. Mais ça va peut-être me servir pour après. Tu pensais que j'allais partir. Ouais, plus. Ouais, je pensais que t'allais aller plus. Bon, moi, vous voyez à quel point c'est. Donc, je peux enlever ma manœuvre difficile parce que ce que je viens de faire n'est pas une manœuvre difficile. Et je réévalue mon énergie kinétique. Mm-hmm. Donc là, je passe à 6 puisque plus 3 plus 3 égale 6. Et donc, c'est une manœuvre que je pouvais faire. Hein. Mm. Hop. Allez, on en fait encore un de tour. Allez. Ça serait bien qu'on arrive à se tirer dessus. Bah, remarque, on s'est tiré dessus. Bah, je t'ai tiré dessus. Oui, tout à fait. Ouais, Non, mais. Non, mais tu sais. Non, mais dis. Non, mais c'est ma mémoire sélective. Ouais, ouais, je vois ça. Tu m'as jamais tiré dessus. Mais que font ces dégâts sur mon chien? Mais qu'est-ce que quoi? Ouais. Je vais tenter. Bon, je spoil. Hein. Je vais tenter un changement de direction juste pour montrer comment on fait, quoi. Alors, en sachant qu'un vaisseau qui est tourné ne peut pas changer son énergie kinétique sur le prochain tour. T'es obligé de prendre la même énergie kinétique. D'avoir une manœuvre à la même énergie. Là, je suis obligé de prendre du 2, du coup. Moi. Ouais, ouais, ouais. Je suis obligé de prendre du 2. T'es obligé de prendre du 2. Et alors, moi, j'ai du 6. Mais alors, ça me paraît... bah si, ça veut dire que je suis obligé de faire un boost. Bon, il faut... Voilà, il y a des petits trucs dans les règles, il faudra voir ça en détail. Peut-être que tu referas une vidéo plus tard. Ouais, alors après, tu sais, hein, le jeu, il est bien, les gens, ils vont l'acheter. Oui, ils apprendront les règles tout seuls. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais je crois que tu peux, quand un vaisseau est tourné, tu peux pas changer ton énergie kinétique. Ce qui met... Enfin, ça, c'est sûr. Mais dans le cas où moi, j'ai une énergie kinétique de 6, ça veut dire que je suis obligé de refaire un boost. Et t'es pas supposé faire de boost à la suite. Donc il y a sûrement quelque chose que là, voilà. Je préfère être honnête, hein, et dire que on n'est pas, je suis pas, enfin voilà. Voilà. Ok. Moi, je suis bien. Donc je sais pas où était mon altitude. Ok. Donc moi, je vais faire les choses comme ça, au niveau de l'orientation, réorientation ou pas réorientation, parce que je vais pas le dire trop fort non plus, je veux pas qu'il écoute tout. Alors attends, parce que moi, j'ai pas du tout... Et puis, genre, après, ben, je vais faire celui-ci, là, en fait. Et normalement, ben, je vais pouvoir le finir. Voilà. Bon. Écoute, je suis pas sûr pour la même kinétique. Bon, on va faire 100. Il faudra vérifier dans les règles. Nigo ? Ouais. Bing et bing. Donc je réoriente, trait, et en fait je fais un petit flux que ce nœud à vitesse. D'accord.
Et toi? Alors moi, je remets. Ah ouais, toi, tu, je toi, fais un tu, changement de direction. Toi, tu te mets dans le sens. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, comme tu me l'as conseillé, je vais déjà réorienter le truc. Qui sera voilà. Orienté comme ça. Donc normalement, c'est pareil. Tu peux pas le faire, ça. Parce que tu vois, sur la carte, il n'y a pas la flèche comme quoi c'est une manette tout droite. Oui, c'est pas un tout droit. Mais c'est pas grave, fais-le. Parce que c'est bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. On montre juste. Ah, j'ai du mal hein, avec ça. Hein, oui, il y a des petits détails comme ça. Alors attends, on va dire que je le fais pas. On va dire que je le fais pas, voir ce que ça fait. Ok. Parce que. Voilà. Et puis là, bah oui. Eh oui. Eh oui, il atterrit sur le truc. Alors on va dire que je le fais. Bah, de toute façon, même si t'avais orienté ton chip, te serais pris. Hein. Eh, je te tirais dessus là. Ah oui, tu veux dire au niveau de l'arc de tir, ouais. Hey, je me le prends pas, je suis à hauteur 2. Ah bah oui, tout à fait. Bien vu. Tout à fait. Je me le prends pas, je suis à hauteur 2, mais mon objectif c'était vraiment de. C'est ça. Et tu laisses des traces de gomme sur. Ouais, exactement. Mais j'ai pas le droit de le faire. Mais ça se trouve, t'es encore dans l'arc de. Non ? T'es plus dans l'arc de tir là ? Si tu peux. Ah si bah, tu restes comme ça ? Je suis comme ça. Ça me paraît. Ah ouais, non. Faut voir, mais je pense pas. Hein. Ouais, non. Bon, ça me paraît. Non, là, t'arrives. Non, c'est de rien. Ouais, c'est mort. De rien. C'est pas grave. Ok. Alors, quant à allez, moi. Un tour. Quant à moi, que ça. Alors, change ton énergie kinétique. Oui. Donc, t'es toujours à 2 peut-être. Oui, je suis toujours à 2. D'accord. Ouais. Donc, je fais du moins 1. Mm-hmm. Donc, déjà, je change d'altitude. Je suis à l'altitude. Ou non. Donc, changement de direction. Je vais réorienter mon chip, mais ça on le fait après la manœuvre. D'accord. Voilà. Donc vitesse 3, donc c'est cette manœuvre là. 8. C'est une manœuvre difficile comme c'est indiqué, donc voilà. Donc là, moi j'enlève le vaisseau. J'ai une carte de réorientation. Donc ça. Alors attends, d'abord il faut que je drifte. Oulala, je vous fais. Ah ouais, ça va connerie, être chaud là. Ouais, bah écoute, c'est genre les manœuvres impossibles. On n'est pas à la même. Il est là, le drift. Alors, voilà. On n'est pas à la même altitude, c'est intéressant. Et alors, moi, je suis en énergie kinétique, j'étais en énergie kinétique 6. Hein. Donc, c'est. Je drifte bien, quoi. C'est un grand drift. Donc, je fais ça donc, d'abord. D'abord, tu driftes. Ah, donc, ça va je pas vais être mal. Dans la même direction. Ouais, peut-être que ça va me servir, en fait. Hein. Ouais, complètement. Voilà. Donc, ça, faut pas oublier. Alors, si tu aimes Gasland. Gasland. Ah oui, il y a ces histoires-là aussi. Il y a du drift. Ouais, mais bah, normal, hein. Et donc après, je fais ma manœuvre. Ouais. Hop. Oh là là, ouais. Mais alors là, je vais pas enlever ma carte parce que comme j'ai fait ma carte de changement de direction, mm-hmm. Ça veut dire que normalement... Tu te déplaces, ton socle va se déplacer dans le sens de ton vaisseau. Bah voilà, c'est-à-dire que ça revient par là en fait. C'est là que c'est pas bon. Ouais, et c'est là que c'est pas bon. C'est ça. Qui est là. Voilà, moi, comme ça. Voilà, et là j'aurais pas pu de toute façon tourner avec le vaisseau orienté. Donc ça peut aussi servir à remettre la case départ et puis à repartir, tu vois. Voilà. Ouais, tu vois, alors après là, on est en 1 contre 1. Hein, donc alors ce qu'il faut comprendre, c'est que. Et là je change mon énergie kinétique, évidemment. Hein. On a voulu montrer un petit peu tout ce qui était possible de faire. Voilà, mais s'il y avait eu un deuxième silon, tu te serais sans aucun doute bien placé comme ça. Ouais. Moi louche. Bon voilà, hein. Après évidemment il y a les petits détails de règles à voir. Hein. Je regarde quand même parce que je t'avais. Oh là là. Ouais, en plus t'avais eu du bol. Tu m'as rayé la peinture en fait. Nickel.